tout le monde vit dans la psychose maintenant, parce que c'est vraiment pas la gaieté de se trouver dans un pays ou dans une ville là où il y a tant de morts, je veux dire, tant d'infectés d'une maladie que jusqu'à présent on n'a pas eu de médicaments. Vous voyez, donc c'est vraiment la psychose sur tout le monde parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. La situation, on ne sait pas quel jour ça pourrait se terminer. Et c'est ce qui fait que, d'après les entretiens que nous avons eu avec le gouvernement, ils ont mis en place une commission qui est composée de plusieurs ministères, en commençant d'abord par le ministère de la Santé, des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur, le ministère du Transport, aussi bien que j'ai oublié l'autre ministère, et le ministère de la Sécurité, qui ont pris des dispositions et qui ont pu débloquer 50 000 dollars correspondant à une somme de 30 millions. C'est un geste vraiment que nous profitons de cette occasion, non seulement pour remercier le président de la République d'avoir pensé aux Maliens en détresse, et en plus de cela aussi, nous remercions le gouvernement. Après le début des événements et que la situation s'aggravait un peu, que l'ambassade a commencé à nous envoyer des messages. Et ces messages que nous avons reçus de l'ambassade, c'était uniquement à propos des consignes données par l'université, respectivement de chacun. À notre niveau, le gouvernement n'a pas vraiment pris de mesures directes à notre égard. Mais j'ai entendu parler de quelques 30 millions qui a été octroyé aux étudiants étrangers de Chine. Et d'un autre côté, j'ai entendu que ça a été donné uniquement aux étudiants maliens qui sont précisément à Wuhan. Mais les 30 millions doivent arriver là-bas, c'est pour les permettre de s'approvisionner, c'est pour les permettre de faire des courses pour manger. Hein. C'est juste pour les permettre, parce que vous savez, vous sortez, hein, les banques sont fermées. Donc vous ne pouvez même pas avoir accès à la banque. Donc où est-ce que tu vas avoir de l'argent? Le moyen de transfert habituel ne marche plus. Donc cet argent est uniquement destiné à ce qu'il puisse s'approvisionner en attendant qu'on trouve une solution. Ou on trouve le vaccin, les médicaments pour empêcher la contamination, ou nous décidons d'aller les chercher et les ramener.